Coucou tout le monde, mais aujourd'hui j'ai reçu 4 paquets dans 2 boxes, dont un colis d'une amie dont je la remercie, qu'elle avait peur que ça ne me plaise pas, et je trouve ça super mimi. Donc je lui ai promis de ne pas lui montrer, de pas montrer en caméra ce que j'ai reçu. Donc je ne le montrerai pas, mais je t'en remercie, ça m'a fait super plaisir. Voilà. Bon, j'ai reçu 2 boxes, on va commencer par la cute box. Alors, parce que il fallait bien faire un choix. Alors, la petite cute box, c'est des petits objets kawaii. Je l'avais déjà reçu. Il y a toujours le petit nounours là, le petit lapin. En logo, elle a changé son packaging parce que la poste lui avait refusé les colis. Voilà, ça se présente comme ça. C'est tout mimi. Et on va l'ouvrir. Parce que je ne l'ai pas ouvert, ça. Hop. Et vous allez voir ce qu'il y a. Excusez-moi, c'est bien scotché. J'espère que ça ne va pas mettre trop longtemps. Je pense pas. Elle est bien emballée. Voilà. Alors, quand on l'ouvre, déjà, ça se présente. Je sors la petite carte pour pas qu'elle tombe comme ça. Voilà. Avec la petite carte cute box. Merci pour votre achat. Et ça, c'est avec plein de petits nounours, on dirait un sac. Les poignets, happy time, happy time. Ça, je vous mets comme ça, vous verrez mieux. T'es super trognon. Voilà. Alors, on va. Ah, ben tout est dans le sac. Donc voilà, j'ai pris le sac. La boîte est vide. Alors, c'est un petit sac. Un petit sac. Voilà, comme vous l'avez vu, on va l'ouvrir. Alors, attendez, ça se présente avec un petit zip par devant. Donc, c'est assez piqué. Et on va dézipper. Voilà. Et il y a plein de petits trucs dedans. Hop! Alors, on va commencer par le French, ben ça, attendez, je sais pas trop ce que c'est, j'ai oublié. Elle le dit d'avance, c'est des petits objets kawaii, chinois ou japonais, voilà, c'est des petits objets kawaii. Et celui-là, c'est le French Watermelon, Get Me the Cut Fan. Alors moi, j'ai à la pastèque, on dirait. Alors. Derrière, c'est tout en chinois. Made in China, ouais. Alors, je vais l'ouvrir. C'est à pile, a priori. Allez, je l'ouvre. Hop, ça y est, il est ouvert. Il y a le petit cordon qui va avec. Voilà, derrière, il y a un petit interrupteur. Je crois que le cordon, je le mettrai après en bas. Ah, il n'y a pas de pile. J'ai pas prévu des piles. Je coupe, je vais chercher les piles. Remoi, j'ai trouvé les piles. Alors, c'est un petit ventilateur. Voilà. Si vous avez chaud. Allez, je vais l'arrêter. Et c'est avec 2 petites hélices, comme vous voyez. Et j'ai enlevé le capuchon parce que j'ai eu du mal à trouver les piles pour le plus et le moins. Et dessous, vous mettez 2 petites piles
Moi, j'en ai récupéré d'ailleurs des petites piles comme ça, alcalines. Hop, vous refermez, c'est sous le pied, et vous mettez en route. Je ne dirais pas qu'il y a une. Non, 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 ça n'a pas d'odeur, c'est juste le motif. Alors, je vais remettre le petit capuchon dans le sens de la marche, autant qu'à faire. Voilà. Et a priori, ça se transporte avec un petit cordon. Ouais. Pour si vous avez chaud, l'été. Petit ventilateur de poche. Allez, on continue. Alors, avec ça, il y a un petit bouchon. On dirait qu'il y a des petits bijoux dedans, un petit collier. Alors, on va l'ouvrir. Alors, il y a, on dirait, une bague en forme d'étoile de mer. Je vais l'ouvrir avec le cutter parce que, excusez-moi, bon, ces petits machins, ça met toujours très longtemps à ouvrir les packaging. Voilà, je vais le mettre dans la poubelle. Enfin, le packaging. C'est une petite étoile de mer. Voilà, et on peut se la mettre. Je vais me la mettre à ce doigt-là. Voilà. Vous pouvez le mettre aussi à l'annuaire. Ou la tête en bas. Moi, j'ai les doigts trop. Voilà. Oui, j'ai des petits doigts, moi. La petite étoile. Oui, j'essaye dans tous les sens, ça, je m'amuse. Hop. Mais. Hop. Là, ça se resserre. Ouais, ça se resserre. Les branches se resserrent, donc je vais la mettre à l'annuaire. Tout le majeur que j'ai un doigt long et la resserrer. Voilà. Ce que ça donne. Je vais mettre la tête en bas ou en haut. Je fais des essais. Hein. Et une petite étoile de mer. J'essaye à tous les doigts. Hop. Alors, il y a autre chose. Il n'y a pas que la petite étoile de mer. Il y a une petite bague en forme de fleur. Excusez-moi pour le bruit. Et je vais la mettre. Elle est réglable. Hein. Je vais vous la montrer de plus près. Elle est bleue. Moi, j'aime le bleu. Hein. Et elle est réglable. Voilà. On peut la régler. Alors, je vais la mettre à l'annuaire. C'est très mignon pour l'été. Ben, je suis en bleu, hein, comme. Voilà la petite bague. Il y a. Un petit collier en bikini, comme vous pouvez le voir. Avec deux petits strass bleus et un petit strass blanc, couleur bronze. Voilà. Avec un petit nœud en haut. Et ça, c'est Fashion
J'ai voli. Je vais enlever l'étiquette pour essayer. Et vous pouvez mettre ça autour du cou. Bien sûr, est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'ai mis à l'endroit. Hop. Ça donne ça. Ok, pour cet été. Hop, je mets de côté. Je vais remettre dans sa petite pochette. Que je ne vais pas les perdre. Hop. Petite étoile. Mais de côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouh, il y a plein de choses. Il y a un petit berlingot. C'est l'huile solaire sans protection, bronzage optimal, Jetson. Bio 100%. Le bio 100%, c'est pas dit que vous le voyez. C'est marqué là en vert. C'est une huile solaire miniature de voyage. Bronzage optimal. Un petit berlingot. Il y a. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est tout en chinois. Et je crois que ça change de couleur avec la chaleur. Ouais, c'est marqué en bas. Voilà, c'est un petit tube. Alors, je vais. Ça a l'air de se mettre sur le portable. Je vais l'ouvrir. Ça prend énormément de temps chaque fois que je fais une vidéo cut box parce que c'est plein de petits gadgets. Hop. Et c'est tout en chinois. Mais a priori, je crois que d'après ce que j'ai vu, ça change de couleur. Comme vous voyez, tout dépend de la température. Ça se présente comme ça. Où ça change de couleur. Il doit y avoir le petit programme UV. Pour le moment, c'est blanc. Il faudrait que je l'essaye à la lumière du jour. Et ça s'accroche à un portable. Je vais le mettre de côté. Il doit y avoir la petite explication. Je crois que ça marche au soleil. Et là, je suis à l'intérieur. Alors avec ça, il y a un petit cône. Oh oui, un petit cornet de glace. Porte-clé. Et ça fait lampe. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et vous perdez quelque chose ou le soir vous y voyez rien. Hop, petit cornet de glace avec le petit interrupteur. Voilà. Là j'ai du bol, il y a les piles. Oh, il y a plein d'autres trucs. Bah, dis donc, j'ai pas fini. Alors ça c'est des boucles d'oreilles. Alors, je vais vous l'ouvrir aussi. Alors, c'est... Alors, il y a des puces. Excusez-moi, je pose parce que je vais tout perdre. Il y a... Oui, je regarde en même temps entre... Alors, des puces en forme de mandarine.
petite puce avec un petit clip derrière. Oh mon dieu, c'est arrivé, c'est tombé. Non, c'est tombé que sur moi. Voilà. Petite mandarine que vous pouvez accrocher aux oreilles pour l'été. Il y a avec ça deux petits pendants. Un en forme de glace et un en forme de donut, de beignet. Voilà pour cet été. Très sympa. Voilà. Et il y a un autre truc, je ne sais pas ce que c'est. C'est un cornet de glace, ouais, avec un petit cœur. Et il y a ça derrière avec des petits crans. Il dirait que c'est pour enfoncer, mais je ne sais pas où, dans un trou. Voilà, il y a un petit truc à cran. Je vais mettre de côté. C'est un petit cornet de glace rose avec un petit cœur. Je vais le mettre de côté pour pas le perdre. Avec le petit ventilo que je vous ai montré. Oh, mais il y a plein de trucs, hein. Je suis à 12 minutes, ça va être long, non? Alors ça, je sais ce que c'est, je l'ai vu. C'est un petit miroir en forme de cookies. Voilà. Cocoa cookies mirror. Voilà, là, je vais l'ouvrir. Hop. Voilà. J'ai le pendentif, maintenant j'ai le miroir. Cacao cookies I like. Et quand on l'ouvre, c'est très mignon. Il y a le petit miroir, vous me voyez bien sûr, hein, parce que c'est là. Le petit miroir, et il y a un petit peigne pour se couper. Lui, c'est très mignon. Voilà, le petit miroir avec son petit peigne. On va le remettre dans son petit compartiment. Je le remets comme il faut, bien entendu. Voilà. Et ça fait le peigne, il sert, vous voyez, de blanc. Comme le gâteau fourré. Le petit miroir, je mets à côté aussi. J'ai un bazar chez moi, il va falloir que je fasse du tri. Alors, il y a quoi? Un autre petit berlingot à l'huile bronzante, huile solaire sans protection. Ça m'en fait deux. Oui, je voudrais faire à mesure, hein, c'est pour ça. Voilà, à mettre dans une trousse. Hein. C'est sans protection, c'est bio. Voilà. On pourra transporter pour l'été. J'en suis au deuxième berlingot. Avec ça, j'ai une petite abeille au nez. C'est en tissu. Ça a l'air d'être un dessous de tasse ou de verre. C'est très mimi. C'est marqué derrière au nez. Bzzzt. Voilà. Oui, c'est tissé, oui. C'est en tissu, ça doit être pour un dessous de verre. Voilà. Il y a Milk Tea, un petit lapin avec un petit bonhomme. Voilà. Made in China, bien sûr. Et c'est un petit carnet. Alors, il y a des petits sapins, par des petites fleurs. Ou un petit agenda, voilà. À l'intérieur, il y a des lignes comme ça. Je
toutes les pages. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il est plastifié. Il y a la petite protection en plastique. Voilà, pour pas le tâcher. Voilà. Il est assez épais, hein. Vous voyez le un petit bloc-notes. Agenda, je dirais plutôt. Hop. Je mets de côté aussi. Eh bien, j'en ai des trucs, hein. J'ai une gomme, je crois. C'est un petit cornet de glace. Et rasoir, oui, c'est ça. C'est une petite gomme que je vais vous ouvrir. Ça vous déballer. Hop. Et voilà, c'est tout en gomme. C'est une gomme en forme de cornet de glace. Voilà, pour effacer. C'est très mignon. Et avec ça, j'ai le petit menu. Ça, Jetson, c'est le petit bronze bien, bronze bio. Huile solaire, water résistant, haute qualité, pulvérisation pour un bronzage parfait. Le soleil devient votre ami, soin du corps. Bronze bien. Ça, c'est promotion. A priori, c'est une huile bronzante. Naturel, le progrès, ça se présente comme ça. Voilà, Jetson, je mets de côté. Alors avec ça, j'ai deux petits ventilos, on dirait. J'ai le jaune. Oui, j'ai eu un petit coupure de caméra, on verra ce que ça donne. Alors, j'ai un petit mauve et un petit jaune. Et ça a l'air d'être pour se ventiler. Je ne vais pas les ouvrir. Voilà. Alors avec ça, j'ai... Oui, je crois que c'est pour les mouches ou les moustiques. Ah non, c'est un anti-moustique. C'est des petits stickers à coller sur les vitres. Voilà, il y en a 6. Et c'est anti-moustique, comme vous le voyez sur le petit paquet. C'est très utile, je vais l'utiliser parce que je suis côté espace vert, je me fais bouffer par les moustiques. Des petits autocollants anti-moustiques à coller sur les vitres. Et ça, voilà, j'arrive à la fin, ça se vide. Et ça, c'est le petit menu, je crois, de la Cute Box. Vous voyez une fille qui passe la crème solaire sur un petit lapin. Et dedans, j'ai plein de trucs encore. J'ai Loading Please Wait. Vous trouvez aussi la plupart des articles goélands à la boutique. Voilà, c'est pour la pub, je crois, goéland, goéland.fr. J'en ai un autre, goéland.fr. J'ai Rila Kuma, Everyday Feels Happy Like a Rainbow. C'est une petite carte postale avec des petits nounours. Petite carte postale. J'en ai deux autres, voilà, des petites cartes postales. Et ça, c'est mon petit menu. Et derrière, il y a 10% sur tout le site hors promo jusqu'à fin juillet 2013 avec votre code perso et unique. Voilà, ça c'est. Et ça, c'est le petit menu de tout ce qu'il y avait dans la box. Alors, je arrive à lire là. Un ventilateur de poche, le premier truc que j'ai ouvert. Un strap testeur d'UV. Ah ben oui, c'est pour les UV, le petit... testeur d'UV, ça, qui se colore suivant si il faut s'exposer, si les UV sont forts ou pas, vous pouvez l'accrocher à votre téléphone. Voilà, je ne l'ai pas testé parce que je suis à l'ombre.
il y a avec ça un bloc-notes que je vous ai montré, deux paires de boucles d'oreilles que je vous ai montré. Ouais, c'est ça. Trois cartes postales, un miroir à biscuit, ça je l'ai montré. Un pendentif bikini, je l'ai montré. Une gomme glace, deux bagues, une fleur et une étoile de mer, ça je l'ai montré. Ces stickers anti-moustiques, un porte-clés glace. Oui, c'est la glace qui s'éclaire. Voilà. Trois cartes postales Rilakkuma, un miroir biscuit, un sac qui est vide maintenant, il est très mignon d'ailleurs, un petit sac comme ça. Des monodoses d'huile solaire Jetson, water résistant multivitaminé et anti-âge sur le jetsonshop.com, un patch en tissu. Un patch, c'est ça ? Voilà, c'est ça le petit patch. Et voilà, je vais arrêter parce que ça a été un exclu. La cute box de juillet va s'occuper de votre beauté. Mais écoutez, elle était très sympa cette box. Je l'ai bien aimée en tout cas. Et je vous fais un bisou. Puis il est temps que je coupe hein, parce que je suis déjà à 22 minutes sur mon truc là. Et puis je vais vous ouvrir l'autre, mais dans une prochaine vidéo. Bisous.